Mais tout d'abord, direction la Moldavie, un pays voisin de l'Ukraine, avec une double élection hier. Le scrutin présidentiel d'une part et d'autre part un référendum sur une possible adhésion à l'Union européenne. La population est partagée sur la question. Le oui et le non étaient vraiment au coude à coude. Les détails avec Linda Palmart et Catherine Tonero. 2,6 millions de Moldaves étaient appelés aux urnes hier pour le premier tour de l'élection présidentielle, mais aussi pour un référendum portant sur l'avenir européen de l'ex-république soviétique. Avec la guerre en Ukraine, il est très important de décider dans quel type de pays nous vivons. J'ai voté pour le processus d'adhésion à l'Union, bien sûr. Aujourd'hui, le destin de la Moldavie se joue. Nous avons une voie d'accès à l'Europe. Nous ne pouvons pas rester coincés dans le passé. Nous ne voulons plus être sans gaz, sans électricité. Même la guerre proche de nous nous inquiète. Nous voulons la liberté. D'après les derniers résultats quasi définitifs, le oui l'emporte tout juste avec un peu plus de 50% des voix. Un résultat très serré, camouflé pour la présidente pro-européenne à l'origine de ce référendum. Maya Sandu, qui a tourné le dos à Moscou après l'invasion de l'Ukraine et qui porte la candidature de la Moldavie à l'adhésion à l'Union européenne. Aujourd'hui, elle dénonce des ingérences russes dans le double scrutin. Des groupes criminels en collaboration avec des forces étrangères hostiles à nos intérêts nationaux ont attaqué notre pays avec des dizaines de millions d'euros. Des mensonges et de la propagande en utilisant les moyens les plus honteux pour maintenir nos citoyens et notre nation dans l'incertitude et l'instabilité. Face à ces accusations, le Kremlin demande des preuves et dénonce des anomalies dans le comptage des voix de ce référendum gagné de justesse par la présidente sortante. Maya Sandu, qui arrive aussi en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Le second tour aura lieu le 3 novembre prochain en Moldavie.